Le Recrute Day, ça se passe à Lille Grand Palais. Pour nous en parler, Sylvie Beauvois, vous êtes chef de projet pour ce Recrute Day, le salon du recrutement. Expliquez-nous un petit peu à qui s'adresse ce salon. Eh bien, écoutez, un public large, du CAP au Bac plus 5, pour tout type de fonctions et de candidats. Donc. Quel type de secteur, notamment, on peut trouver dans les exposants, dans les stands de ce salon ? Alors, c'est un salon multisecteur, généraliste, qui permet de recruter tout type de postes. Et ici, vous allez trouver de la grande distribution, de la distribution alimentaire, de l'intérim, des métiers de la sécurité, de la finance, de l'immobilier, de toutes sortes de secteurs. Il y a des secteurs qui recrutent un peu plus que d'autres actuellement. Il y a des besoins dans certains secteurs particuliers. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous spécifier l'informatique, le numérique, qui recrute beaucoup. Donc effectivement, on a pléthore de postes à pourvoir dans le domaine du numérique et de l'informatique. Comment ça se passe? On arrive avec son CV, il y a des sessions un peu particulières où on peut échanger pendant quelques minutes directement avec le futur employeur. Oui, le Recrute Day, c'est du contact direct. Vous rencontrez directement le recruteur, hein, pas de passage obligé de tri de CV. Vous arrivez avec votre CV, vous rencontrez directement le recruteur pour un entretien formel d'une dizaine de minutes. Et si ça convient, il vous refixe rendez-vous ultérieurement pour vous rencontrer à nouveau. Sachez aussi également que nous organisons un atelier coaching candidat sur le salon avec 4 professionnels qui vont les aider à la rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation et à trouver les arguments pour bien se vendre. Alors, atelier coaching, ça c'est dans le courant de l'après-midi, il faut réserver, on peut venir spontanément? Alors non, c'est toute la journée, dès 9h30 jusqu'à 18h, les professionnels sont là pour répondre aux questions des candidats. Pour l'entrée est-elle payante? Comment ça se passe? Alors l'entrée est gratuite sur invitation, soit en téléchargé sur l'étudianthdf.fr. Sinon, eh bien, vous venez, on vous donne une invitation, vous la remplissez sur place, votre CV, votre joli sourire et on sera ravis de vous accueillir. Le Recrute Day avait déjà eu lieu il y a quelques mois, c'était au mois de septembre, ici même à Lille Grand Palais. Ça veut dire que cette fois, il y a, à partir de 2019, il y a 2 salons par an. Pourquoi cette initiative ? Alors effectivement, le Recrute Day grandit et il y aura désormais 2 sessions du Recrute Day par an, puisque ce forum a beaucoup de succès au mois de septembre. Et donc on s'est dit que c'était une bonne initiative pour l'emploi, pour les candidats, de le dupliquer et de faire un rendez-vous à la rentrée et un rendez-vous au printemps, au début du printemps. Les entreprises de la région, est-ce qu'elles sont représentées au Recrute Day ? Eh bien, écoutez, oui, on a une majeure entreprise qui est Decathlon. Sinon, on a pas mal d'enseignes au national, comme Lidl, qui est une enseigne de grande distribution. Nous avons également les armées, armées de terre, marine nationale. Donc effectivement, les institutions publiques sont également représentées, en plus des enseignes privées. Il y avait combien de personnes au mois de septembre sur cette journée ? Alors on a accueilli 2300 candidats sur la journée, c'était une belle édition. Hein. Et voilà, on attend la même chose aujourd'hui. Très bien, le Recrute Day à Lille Grand Palais, et ça se passe toute la journée en ce vendredi.